C'est donc la mauvaise nouvelle du jour pour le porte-monnaie. Les mutuelles coûteront cette année plus cher, près de 5% de plus en moyenne, parfois même davantage. Alors comment l'expliquer? Et dans le détail, combien allez-vous payer? On vous explique tout avec Marie Justet, Agnès Giraud-Carlier et David Fossard. Dépenser plus en 2023 pour pouvoir se soigner. Cette année, les tarifs des mutuelles vont augmenter. Ces assurés rencontrés ce matin le regrettent. L'électricité, l'essence et tout qui augmente déjà vachement. Donc si la santé augmente également, ça va être compliqué, quoi. Plus 4,1% pour les contrats individuels. Et jusqu'à 5,7% d'augmentation pour les mutuelles d'entreprise. À l'origine de cette hausse notamment, le 100% santé financé en partie par les mutuelles et pas de reste à charge pour l'assuré. À Paris, chez cet opticien... On a ici 350 designs, donc en matière naturelle, soit en acier chirurgical, soit même en titane. Toutes les paires sont éligibles au 100% santé, alors forcément, les demandes de clients affluent. Ils n'ont plus à repousser le moment où ils renouvellent leur équipement, puisqu'ils savent que de toute façon, en venant ici, ils ne vont renoncer à rien et ils ne vont rien payer.